Expressionniste, et c'est vrai que j'exprime des choses personnelles dont je ne pourrais pas parler avec des mots, évidemment, puisque c'est dans mes pièces. Et donc, pour en revenir aux enfants, les enfants, donc il y avait Maurice Rocher, qui était un artiste quand j'étais au Beaux-Arts, que j'aimais beaucoup, un artiste expressionniste, et il disait que ses toiles, c'était les enfants qu'il n'avait pas eus. Voilà. Donc, bon, moi j'ai des enfants, hein. Ça ne m'empêche pas de continuer. Mais mes enfants sont moins expressionnistes que mes œuvres, heureusement. Encore que, je ne sais pas. Mais donc c'est vrai que pour moi, l'expressionnisme, c'est quand je vais voir des expositions de peinture, que ce soit de l'art contemporain ou moderne, enfin, et même dans l'art, bon, l'expressionnisme, ça commence à la fin du 19e siècle, mais il y avait des artistes plus anciens qui sont des précurseurs de l'expressionnisme, des gens comme Goya, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est, quelles que soient les époques, c'est toujours cette peinture-là que je préfère, quoi. Après, c'est vrai qu'un des premiers artistes que j'ai aimé, c'était Soutine. Donc Soutine, c'était vraiment un artiste expressionniste, évidemment. Et ensuite, j'ai découvert les Francis Bacon, et puis finalement, maintenant, je suis plus tourné vers les expressionnistes allemands des années 80, des gens comme Penck, Baselitz, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est les artistes auxquels je fais référence, Basquiat, Julian Schnabel, tous ces artistes-là sont vraiment mes références. Hein. Pour moi, c'est important de... J'imagine mal créer des choses si je ne regarde pas tous ces artistes. Je vais tout le temps voir des expositions. Je me nourris des expositions des autres artistes, c'est normal. Et donc, pour en revenir à mes enfants, quand j'ouvre le four, effectivement, le seul critère finalement qui fait que je les reconnais comme étant mes enfants, ce n'est pas des critères techniques, c'est-à-dire qu'une pièce... Je regarde pas quand je défourne, je regarde pas si c'est réussi techniquement, si c'est sorti comme j'avais prévu, si parce que vous savez avec les mailles, il peut y avoir des choses qui se passent qu'on n'a pas prévues. Mais non, le seul critère c'est est-ce que j'aime mon enfant, quoi, c'est tout. Après, même si il a des fentes ou même si des fois, surtout je cuis à grès, donc dans le four il y a des fois des affaissements, des déformations. Donc la sculpture ne ressemble plus forcément à ce qu'elle était avant que je la mette dans le four. Mais voilà, si la pièce a gardé, voilà, si elle a gardé l'expression, voilà, si je m'y retrouve, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas grave, quoi. C'est l'enfant. Alors,
Par contre, il y a des enfants que je rejette, hein, je reconnais que... Mais je ne les laisse jamais complètement tomber, c'est-à-dire que quand une pièce ne me plaît pas, qu'elle sort du four, que je la mets de côté, puis je peux la recuire. Voilà. Alors là, effectivement, il y a une prise de risque beaucoup plus importante du point de vue technique, parce que les petites pièces, je peux les faire d'un jet, c'est-à-dire que je peux, en fait, une fois que j'ai fait les... quand je commence les pièces, j'aime bien que ça soit rapide. Hein. Donc je pars d'un dessin, donc je sais où je vais, puisque j'ai un dessin, donc c'est pas totalement de l'improvisation, comme dans le jazz, par exemple. On n'est pas dans une improvisation totale, dans la mesure où il y a quand même un dessin. Donc c'est un peu comme le jazzman qui, finalement, peut avoir une partition, hein. Il a un morceau à jouer, et puis à un moment donné, il y a de l'improvisation, mais au départ, il part quand même de quelque chose. Donc moi aussi, je pars d'un dessin. Donc, mais après, l'exécution se fait très rapidement, et c'est vrai qu'en terre, ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Quand on doit assembler des éléments, différents éléments, en terre, on doit attendre, on ne doit pas tout faire avec la terre molle qui va s'affaisser. Donc sur les petites pièces, pour en revenir aux petites pièces et aux grandes pièces, pour les petites pièces, donc c'est plus facile, parce que bah voilà, ça s'affaisse moins. Par contre, les grandes pièces, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à garder la même spontanéité, la même rapidité d'exécution, sauf que là, on est obligé d'aller plus lentement. Donc il faut trouver des moyens que les pièces ne s'affaissent pas. Donc voilà, c'est plus compliqué techniquement. Mais, et après, c'est vrai que moi, je fais des choses, des formes un peu particulières, un peu... et quand on le fait en petit, bon, bah... ça peut être plus répétitif. Quand on fait une grande pièce, on est vraiment, on est à fond, quoi.